Ancien Premier ministre Laurent Lamothe, la Voix d'Amérique, veut que la première sur parce que vous accordez nous entrevue ça pour répondre justement à des accusations. Bon, pas des accusations. Ce n'est pas même des accusations. Il a dépassé ce stade d'accusation. C'est des sanctions que le pays Canada prend contre trois personnalités. Ou c'est une nanyo, ancien président Michel Martelly, ancien Premier ministre Jean-Henri Séan, et non cité la donne tout. Ministre des Affaires étrangères du pays Canada, Mélanie Joly, spécifiquement dit que sanction ça yo, c'est pour empêcher nous continuer à financer gang et à supporter gang qui ont même pété la trouble dans le pays d'Haïti dans ce moment-là. Qui ont réagi à sanction ça? Bon, moi-même, c'est avec un pile choc, avec surprise, que je m'apprends une nouvelle là, parce que c'est sur Internet, c'est dans WhatsApp pour mon nouveau ébam, et que je m'apprends une nouvelle comme ça. D'ailleurs, c'est une nouvelle pour moi. Et parce que Laurent Lamothe, c'est le plus gros cauchemar que gang dans le pays d'Haïti, déjà me gagne. Pendant 31 mois, me fait comme premier ministre, et ça, tout le monde doit reconnaître lui. Niveau criminalité a été venu passer à zéro, pratiquement. Gang yoté en déroute. D'ailleurs, moi, c'est le seul premier ministre qui campe en face gang yo. Pis gros réseau gang pays qui était les gang Galil. Nous t'ai arrêté chef gang là qui était son la famille qui était dans prison pendant l'année de là. Deuxième pis gros réseau kidnapping là, c'était Clifford Brandt, si nous songez. Et c'était un gros potorik et oligarque qui t'a bail problème dans question kidnapping. Eh bien, gouvernement n'a t'ai arrêté monsieur et puis jusqu'à présent, il condamné à 18 ans de prison. Pour question criminalité dans le pays. Ya. Donc, pour journée aujourd'hui, pour que le gouvernement Canada, pour moi-même, il induit en erreur. Et induit en erreur là, pour moi, parce que nous commençons à faire ti investigation nou pour nous connaître côté ça a sorti, parce que son choc lié. Et c'est pratiquement une blague de mauvais goût. Parce que là, ouais, qualité moun qui commence à dire que oh, c'est yo qui te baille, non, c'est yo qui te fait ceci, c'est yo qui te fait cela. Ou tout ouais son lynchage politique, une forme de revanche politique qu'a fait là. Parce que je me connais que continuons. Monsieur Lamothe, permettez-moi simplement rappeler que il s'agit de un pays. Il s'agit de Canada. Il n'y a pas fait des accusations. Il n'y a pas prendre sanction comme ça. Pour avoir prendre sanction, sûrement il faut non mais il faut qu'il y ait des évidences, il y ait des preuves. Moi-même ça me t'a pensé. Tel bagay, en droit international, avant que vous accusez un monde, faut vous faire enquête, faut vous faire une investigation. Or là, vous avez zéro preuve, zéro enquête. Vous n'avez pas gagné un mais donc, c'est pour ça que nous dit que son revanche politique par un petit noyau qui est Canada, et vous commencez à mettre tête dehors. D'ailleurs, nous constituons une batterie d'avocats pour que qui prenne le ça en main, qui prenne clarifier question ça parce que tout le monde connaît Laurent Lamothe pas dans gang. Laurent Lamothe maté gang, mais Laurent Lamothe pas dans danse collé avec gang. Ni l'emde là, ni jodia. Donc quel que ce soit le gouvernement Canada, faut aller vérifier sociaux. Là il y a mauvais monde là. Faut aller vérifier sociaux et si on te font investigation, je t'app connaît que le Laurent Lamothe là, pas de question d'ailleurs gang yo. Qui était là, que nous devions nous joindre. Nous avons plus d'âme que la police. Nous équipons la police là. Nous battons la police là, moyen. Pour que Haïti, qui était pratiquement dernier dans le Caraïbe, qui était plus insécurité, vienne deuxième pays plus safe dans le Caraïbe. Et tout auditeur, auditrice, tout le monde qui a regardé l'émission là, dans VOA Creole, capable de constater que de 2012 à 2014, l'homme des premiers ministres là, il y a l'ordre de discipline. Moun te doit rentrer en Haïti, j'en ouvre. Pas de problème, question de gang qui a bloqué 4 départements dans le pays. D'ailleurs, nous même c'est question touriste avec investissement d'ab gérer. Et pour nous gérer ça, il faut nous gagner un contrôle de sécurité pays. Nous devons faire de sécurité nationale, soit le bataille. Donc, je ne dis pas pour mon abdi, gang, son blague de mauvais goût, que lié, irrisible. D'accord. Ou dit que son on blague de mauvais goût. Donc, ou passer et ou sous-estimer sanctions. Ou du moins, ou dit que, ma propre peut-être sorti d'Italie là, gagné. Ou pensez que gouvernement canadien, plus précisément, gouvernement Canada, mal informé, ou dit qu'on combattrie d'avocats qui, évidemment, prend ça en main ou à investiguer. Et qui sont obligés par là? Est-ce que
ou met en question sanction ça yo et même accusation ça. D'abord c'est parce que yo accuse d'abord et qu'on y a pu venir prendre sanction contre tout. Ou met en question tout ça que pays Canada fait parce que pas oublier nous joignent le premier ministre Justin Trudeau qui était chita ensemble avec ministre affaires étrangères là et madame Joly qui ont même tout tapé annoncé ouvertement qu'il prend sanction contre nous trois on nous dit. Mais comme c'est avant on a parlé avec ancien premier ministre Jean Lamothe ou même et est-ce que ça veut dire que Canada il semble gagner le pays Canada gagner yo by black des fois. Politiquement, ils sont en sérieux. C'est qu'on s'en non. Pays, non, je ne prends pas mon blague. C'est pour ça que je dis blague de mauvais goût. Je prends très au sérieux. Ok. Et je prends des positions que je prends l'homme quitter le pouvoir. Ok. Je ne prends pas rentrer dans la politique du quotidien. Ok. L'homme est démissionné, je retourne dans la vie privée. Et je m'occupe à faire privé. Cependant, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, moi, je prends position publique. Et position, ça a dérangé plus d'un de gouvernement actuel, là. Parce que le mandat de justice pour Jovenel Moïse, moi, j'ai demandé un tribunal international qui pour identifier avec juger monde qui derrière assassinat président, li dérangé une série de monde dans opposition, tant coup, dans gouvernement. Et l'homme commence à regarder ça qui a passé là, pour moi-même, il est clair que nous n'avons cas de revanche politique. Parce que l'homme fait déclaration ça, l'homme prend position ça, son position de principe que me prend. Et puis, Laurent Lamothe tout, deuxième position que me prend, c'était une position de principe vis-à-vis de gagner en Haïti. Et me demandait, mais c'était premier monde qui m'a dit aide. Communauté internationale là pour envoyer une force spéciale d'aller sur compte Twitter à Laurent Lamothe nous allons vérifier mandé une force spéciale internationale pour venir courir la police là pour venir finir avec phénomène gang là parce que moi jugé que c'est seul moyen pour nous remettre sécurité nationale dans pays là donc de ça qu'on y a là moi prend les plus grands médias internationaux OK pour me goûter pour cause sécurité pour pays là pour me goûter pour cause, voyez, une assistance par la police nationale avec l'armée. Remembrer, bailler équipement, venir avec force spéciale, pour nous mettre en face gang, yo. Pour nous finir avec le kidnapping, non. Et puis, deux semaines après, pour me tendre que le gouvernement Canada a dit que moi-même, j'ai un financement gang. Moi, yo, gouvernement Canada, si c'est ça, lié, moi, yo, mettez, pour un vieux public, mettez tout ça dossier public, pas qu'un dossier en catimini, mettez le public parce que pas qu'un dossier. D'accord. Et moi demandé au pays Canada qui justement plus de ça. Moi demandé pour mettre preuve que gagne public, ça c'est un. Et deuxièmement, moi demandé tout pour que ça relève du process. Avant attaque au monde, faut bon investigation qui fait parce que n'importe qui criminel dans le monde. Mais avant de mettre sanction sur lui, bon investigation qui fait. Deux investigations qu'on y a là, ou vient avec un dossier, ou vient avec des indices, ou un motif. Là, ou pas en négliger un matin, et pour allons nous là, non, parce que non, ça, ok. Moun qui, justement, ti noyo ça, qui dans Canada, qui au même dérangé énormément par position, que m'te gagné yo servi avec plateforme yo ensemble avec premier ministre donc pour yo induire monsieur en erreur et c'est là que nous va aller avec yo mais le prochain jour là bien pour nous ça qui passé moi même m'étonné moi choqué pour moi que ministre affaires étrangères Généus chita à côté Trudeau et puis prenait à annoncer des sanctions contre un ancien président avec deux anciens premiers ministres, et puis moi, la fait déclaration que l'a fait. Pendant que c'est Michel Martelly qui pratiquement imposé Ariel Henry by, comme pour une premier ministre de la pays. Donc c'est le monde à l'envers. Intéressant, d'accord. Nous prenons sous ça. Mais ou dit quand même, nous devons demander, ou dit continuer à y avoir un Canada qui a même influencé ou bien induit en erreur le premier ministre Justin Trudeau, le premier ministre canadien. De qui est-ce qu'on parle, Simando? Qui est sûr? Bon, où on est que nous constituons un cabinet d'avocats, il y a une investigation qui est en cours,
Ou bien pour recevoir l'annonce à eux et dans la prochaine semaine, nous avons là. D'accord. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure, je suis d'accord avec vous. Pays Canada qui quand même est noué que pour le ministre canadien Justin Trudeau, ministre des Affaires étrangères, là, Mme Mélanie Joly, il n'y a pas de figure puis il fait accusation. Ça, ou du moins, il prend sanction. Ça, donc, mes amis, il faut avoir une investigation qui t'a faite. Ou dit tout, ou demandez ça tout. Et c'est ça qu'on a essayé de faire là, pendant qu'on prend un avocat, ou demandez qu'il vienne à preuve. Mais quand même, pendant que vous avez insinué tout dans la sanction, yo, que des gens qui ont comme ancien premier ministre et en Haïti à l'époque, ou t'as des influences, et puisque on a rappelé que le premier ministre lui-même, c'est lui qui est chef CSPN, c'est ça? Comme chef CSPN, est-ce que ou t'as des influences, des contacts avec, des présumés chefs gang, et bon, c'est une question que je me pose. Est-ce que même ou j'aime, puisque comme premier ministre, ou t'es quand même en proximité avec collectivité territoriale, ou t'es contrôlé en quelque sorte pays, sécurité pays, on se dit là, donc pas de connexion avec gang, chef de gang, que peut-être ou pas de connaît, volontairement et involontairement, Laurent Lamothe. Donc, soyons concrets. L'homme de là, chef de gang, c'est dans la prison qui était. Donc, nous pas été là avec chef de gang. Par exemple, sous son jeu, bandit Anel, village de Dieu, qui crée toute qualité problème, et était dans la prison, l'homme de là. Tout bandit gang Tchétchénie, qui a opéré dans tout ça, c'est dans la prison qui était. Donc, nous pas gagné aucun parler pour nous faire. D'ailleurs, nous avons politique de zéro tolérance contre gang. À l'époque et jusqu'à présent. Donc, je me trouvais très déplacé pour un gouvernement, sans pas même faire une investigation, sans pas même un seul document en main, pour la prendre parole dans des opposants de notre politique, dans le petit noyau, ça m'a parlé, il n'a pas pour nous arriver sur yo, pour que yo vienne sanctionner des mondes, alors que Canada son pays, son état de droit. Canada son pays, côté que, quand même, au moins, faut que tu aies un processus qui fait. Pour pas accuser un ancien premier ministre de mon pays, et accuser, et là, m'a parlé pour Laurent Lamothe. Là, tu as bien pour parler pour tête, yo. Mais je dis, moi-même, bilan, sous lutte contre la criminalité, c'est un bilan qui est irréfutable. Donc, pour essayer d'associer avec des gangs, je dis, pour moi-même, c'est une ineptie, et son absurdité totale. Et c'est pour ça, tout que nous allons défendre jusqu'à la dernière minute, OK, pour la vérité qui a passé. D'accord, c'est ça qu'on a pu faire là tout. Merci parce que vous avez aidé nous faire dans VOA que la Voix d'Amérique. Mais pendant que tu es premier ministre, chef CSPN, où tu dis, où tu dis là, et l'histoire quand même, où noté que tu as fait arrêter une chef gang qui t'a relé, et tu n'as joué quand même. Et son la famille là. Mais tu es venu lâcher finalement. Donc c'est sous même gouvernement là que tu es lâché. Tu es la gueule. Elle a dit que. Oui, Valérie, ça a son très bonne question. Et en nous précis sous date, ok? Moi, j'étais premier ministre de mai 2012 à 12 décembre 2014. Pendant bilan ça, Haïti passé, pendant mai 2012 à décembre 2014, moi-même, je suis capable responsable de période ça, ça qui passait dans la période ça. Ça qui passait avant, ou bien ça qui passait après, je suis pas responsable. Lui, yo vin lagué, son la familia, en avril ou bien en mai 2015. Donc, 6 mois après m'aller. Donc, m'vle précis sous ça. Moi-même, moi, c'est yon nan moun qui milite, qui goumè, pour que nous ramener un climat serein. D'ailleurs, tout moun kapte de yon là, qui nan New York, qui nan Miami, qui nan Canada, qui nan Atlanta, tout te konal fait si bakran sur Haïti, qu'est posé. Yo te allé dans province, yo te allé faire champêtre, yo te posé. Pour ça parce que c'était un travail qui t'a fait au plus haut niveau. Et ça a nous assumé. La police nous travaille de manière très proche avec le gouvernement canadien, avec l'ambassadeur canadien, avec chef assistant chef ministre qui est dans Canada. Faut aller les monde ça pour yo mandé yo, est-ce que Laurent Lamothe t'es jamais en connivence de près ou de loin avec une gang? Ou bien est-ce que Laurent Lamothe t'a travail pour bailler pays à sécurité? Yo même yo là yo ka témoigner de ça. Donc ou pas arrêter au sale non monde avec sale famille au monde basé sous zin avec sous monde qui a pris revanche politique sous ça inacceptable. D'accord. Pour un gouvernement pour prendre des mesures comme ça et puis même au minima d'information, yo pas chercher prendre, yo pas chercher contre monde qui a sanctionné yo parce que si t'as cherché
quand moun yo sanctionné yo yo pa jamais ka tomber sur Laurent Lamotte. Laurent Lamotte pas tolérer gang. Nous comprenons ça. Laurent Lamotte a full sécurité. Nous comprenons ça. Mais tout à fait, mais en nous quand même ba yo le bénéfice du doute que yo ta quand même nous pas connait moi avocat fait interview ça là, nous pas connait si yo pas mené investigation. Est-ce que si yo gon investigation qui yo mené et alors bon pose une question peut-être on l'autre gens. D'ailleurs, on répondait en partie, mais on va laisser voir qui est l'autre partie que nous avons joué Mosso dans la réponse. Dans la on dit que son secteur, un groupe dans le Canada qui peut être influencé le gouvernement canadien. Mais, basé, d'après vous-même, basé sur qui ça, vous fait accusation ça. D'après vous-même, regardez, après qu'on prend une nouvelle, on dit son monde qui voit le bas dans WhatsApp, après qu'on a au chita, calmement, on réfléchit. Notre tête, notre réflexion, on dit tête, mais sur qui ça est basé, l'opposé tête, sur qui ça est basé pour faire. Ou, bon, pas même accusation, prend des sanctions quand tout. Qui répond aux jeunes? Ciblage politique ou revanche politique. Et puis, il n'y a pas même une position sous question assassinat président Jovenel Moïse là. Donc, il faut que y ait un gens pour éliminer politiquement. Et les gens qui sont plus faciles là, c'est ça. C'est induit mon année, ouais. C'est venu avec, d'ailleurs, c'est servi avec la plateforme. D'ailleurs, il y a même d'attendre un député qui a parlé. Dans le journal 4, qui t'a expliqué que, oh, lui-même, il fait ceci, cela, c'est lui-même qui vient avec sanction, et tout. Donc, de toute la façon, nous ne parlons pas de trop de détails. J'aime dire, nous, mon cabinet d'avocats qui travaille, et la vérité a sorti, parce que tout menti par un fond. Et m'a dit, on va aller plus loin, avant de lui. On va aller plus loin. Dans l'interview que je fais sur CNN, avec Al Jazeera, moi supporter des démarche sanction parce que moi dit que sanction yo c'est un moyen efficace pour capable empêcher moun cap financer gang cap créer insécurité pour yo continuer faire. Moi supporter régime sanction, ça c'est un, mais faut faire attention le n'a sanctionner moun pour un dossier pour une investigation qui fait avant. Ou pas capable de sanctionner pendant que ou pas investiguer. Et là, il vient dangereux. Parce que là, on a fait innocent payer pour coupable. On a bien mauvais monde. Et là, moun ça a lui-même, parce que son pays qui a droit. Moun ça a lui-même qui a droit de défendre. Et c'est ça que nous avons fait. Et c'est ça que nous avons fait. Parce que essayer à impliquer non Laurent Lamotte dans la question gang, c'est injustice ou à faire. Et ça, nous trouvons que son injustice et injustice énorme que pays Canada a fait. Le, par exemple, l'autre déclaration, et ministre des Affaires étrangères qui dit comme ça, et que aider nous retirer dans le cauchemar, ça. Donc, c'est Laurent Lamotte qui parle depuis 8 ans, qui pas dans le gouvernement depuis 8 ans. C'est sous Laurent Lamotte, ministre a tombé pour le monde de retirer le cauchemar, pendant que ministre justice lien qui est responsable sécurité dans le pays, a, lui-même, il impliqué dans le kidnapping avec la criminalité. C'est pas même qui fait. Et c'est pas même qui a accusé tout. Parce que je ne vais pas accuser. Mais m'a questionné le fait que qui autorité morale au monde gagne pendant que en deux gouvernements, ça, gagne plusieurs ministres dans une cité dans la criminalité. Et nous, ouais, et tapé, il y a, pour tout le monde, pas même qui a sorti la Cali. Kidnapping, il y a plus que 1500 kidnapping qui fait dans 18 mois. Pays à tête en bas. Donc c'est sous moi même, je viens de tomber, côté pays à tête, puis il y a plus de sécurité. Côté que moun te kap, comme si nous pas de zone de non-droit, pas de matissant. Village de Dieu, son côté, m'te aller même pour faire distribution, pour aller faire distribution kit alimentaire, pour m'aller parler avec jeunes. Moi, t'es allé là en visite. Pas de gain, qualité guerre, ça, gain là. Côté que moun, ou gain 4 départements dans le pays qui bloquent depuis presque 1 an et demi. Imagine nos populations, et populations département, ça, sud-est, sud, grand-est. Imaginez où? Imagine nous, et on parti dans l'ouest là. Donc c'est qualité, ou évanche, ça, n'est-ce pas, chercher pour le monde. N'est-ce pas, comme Zimdadou, t'as qu'on est manger, non? Parce que j'ai une position pour la mort Jovenel là. Donc, il faut éliminer politiquement pour ça. Nous comprenons. Mais d'ailleurs, c'est une autre raison. Parce que ça va passer.
D'accord. Nous avons décidé et ou répété là plusieurs fois dans l'entrevue ça, ou gagné. Et ou font recours, ou prennent des recours légal, c'est-à-dire ou gagné un avocat qui peut mener question à la justice face à pays Canada. Mais à nous, maintenant, ou gagné doit répondre ou pas répondre question ça, c'est pas ou même seulement. Et c'est toi non alors, c'est toi non ça, ou n'y a un moment là qui a fait actualité, non ça, nous n'a pas cité, c'est ancien président Michel Martelly et ancien premier ministre Jean-Henri Séan, lui-même tout, c'est pas ou même seulement. Et réaction vis-à-vis de l'autre, de Mounsayo, et ou parle avec au courant, ou parle nous échanger aussitôt que nouvelle sorti une concerté l'autre, et qui réaction vis-à-vis de l'autre non ça yo? Michel Martelly par exemple, les noms dans liste qui ont réagi. Moi pas gain rapport avec monsieur Martelly depuis plus que 18 mois. Donc monsieur Martelly a bien pour bien stratégie je suppose, mais moi-même chaque monde d'ailleurs dans la justice ou dans le droit international, ou pas faire ton gars. Chaque monde pour un dossier, chaque monde pour un décharge. Sinon, c'est dans la politique. Moi-même, je parle pour tête de ça. Et de ça que tout pays, avec toute diaspora, doit connaître. Et le premier ministre, parce que beaucoup parle avec elle, et nous avons échangé il y a quelques semaines de ça, même beaucoup parle avec elle de ça. D'accord, on s'y parenthèse bien vite, pendant que tu as parlé, on dit qu'on n'a pas de rapport avec M. Martelly, bien que tu es premier ministre, et pendant que tu es président, ou tu es premier ministre, nous avons travaillé ensemble quand même. C'était quand même à l'époque la belle équipe. Donc, pas de relation encore, pas de rapport avec Martelly. Est-ce que tu as demandé pour qui ça? Bon, effectivement, pas de rapport avec M. Martelly depuis 18 mois. Et moi-même, j'étais très déçu de M. Martelly. Après question de la mort Jovenel là, parce que j'étais choisi en silence, et alors que moi j'étais jugé que pour une qualité assassinat spectaculaire comme ça, eh bien, et monsieur pour moi ça c'est mon humble opinion, monsieur était doué sorti parce que c'est lui-même qui était choisi Jovenel Moïse qui était allé chercher tout du nord, OK, pour le devine occuper fonction de président. Donc moi-même monde qui solidaire, moi-même, mon cap goumé pour moi. Et moi, j'étais déçu. Donc, c'est une déception personnelle que j'ai gagné de ça, qui fait que le président Martelly avec moi, moi, pas gagné aucun contact avec lui depuis plus de 18 mois. Plus de. D'accord. Bien que quand même, en font-il parler de la perception. Depuis la mort Jovenel, d'accord. En faut-il parler de perception? Permettez-moi de parler de perception, parce que perception, en cas, gagne de fois, reflète la réalité. Bien que quand même, yo quelque part, et souvelez la clameur publique et impression, perception toujours associée avec Michel Martelly. Regardez, je dis à là, ou dans l'islam, parmi non yo même, Michel Martelly, ancien président, et Jean-Henri Séan, ancien premier ministre. Quelque part, pendant que vous êtes premier ministre, chef CSPN, sous la présidence de Michel Martelly, vous avez dit que vous avez travaillé de conseil avec Michel Martelly, eh bien, nous deux, nous avons bien travaillé, puisque vous avez parlé, vous avez dit que vous avez une sécurité dans le pays. Notamment, arrestation, chef gang. Et bon, présumé chef gang était arrêté, sans son la familia et Brandt, etc., etc. Ça n'a pas entré quand même dans la logique de la présidence et du premier ministre. C'est quand même un travail que nous avons fait deux concerts. Nous pas qu'à nier. D'ailleurs, encore une fois, on a parlé de ça qui passé lundi là. Et président Martelly était choisi pour le premier ministre. Il était venu par un coup de main. D'ailleurs, c'est dans ce sens que je devine entrer dans la question. Je ne suis pas un politicien. Moi-même, je suis venu pour m'aider pays. Parce que je suis après tremblement de terre, pays à genoux. Et, là, je suis entré, tout le monde dit que je ne suis pas entré. Parce que, il y a un pile problème dans la politique pays. Haïti, son pays, mange d'homme. Est-ce que le monde qui va entrer avec, c'est des gens qui ont même vision à voir? Et, donc, moi-même, je suis de manière, moi son nationalisme, moi mon pays. Moi te dis bon, j'aime mon pays là, pas pour contribuer expérience, moi. Expérience et surtout en gestion, parce que quand même moi te une licence en sciences politiques et me te une société que me créé tout depuis 1998 que me t'a opéré, nous songer nous même dans diaspora, te gain opin longue distance, et mais opin longue distance, c'est un partenaire yo. Donc nous t'ai décidé et vinn ba un coup de main. Donc bilan pam et c'est bilan président Martelly tout, mais ça c'est l'homme de là après le maléa, toute décision qui prend yo pas impliqué Laurent Lamotte ni de près ni de loin.
D'accord. Mais une décision, on vient sous une décision. 12 décembre 2014. On précise la date là, 12 décembre 2014. D'accord, nous retenons date ça. 8 ans. C'est ça, pour les gens qui peut-être regardent l'interview, ça, qui veut faire ça, really, en anglais, fact-checking. Il a vérifié les faits. Absolument. Bon décision côté prend quand même, Monsieur Lamotte, c'est une décision à nous qu'a dit qui a lié avec gang. Nous parlons d'eau des éclaircissements sous ça. Et il y a même un ancien député qui a même fait des accusations. Il était font paraître dans la presse. N'a parlé du député, ancien député Anel Belizer, qui était accusé ou était commandé une cargaison d'armes sorti dans le pays Israël, si je ne me trompe pas. Et des armes que rejoignent dans mes bandits. Qu'est-ce qu'on a dit nous? Deux questions ça. Ou quand même te commandé des armes sorti Israël. Pour qui ça et dans quel contexte? Et je dis à n'a regardé qui Jean Gang yo gen gros armes fond fois dans mer yo. Gen des accusations, des perceptions même qui t'a dit ces armes c'est qui dans mer yo. Qui Jean ka répondre à accusation ça? Mon premier am k'a dit c'est que faut nous garder et qui est-ce qui a fait accusation premièrement. Parce que si moun ka fait accusation Anel Belizer, bah c'est bon moun son moun que tout moun connaît. Son moun ki était en prison justement pour trafic illicite d'armes, son moun ki passé dans manifestation avec mitraillette Galil, au contraire si m'pa trouvé c'est même Galil ça te commandé pour PNH qui vient nous retrouver dans main individu ça et que te vienne arrêter Jacques même que rejoindre pile d'armes fond fois dans mel absolument un paquet mitraillette dans mel alors que mitraillette gien but exclusif pour la police nationale d'Haïti. Et mais élément ça a été nous retrouver là avec un dalle mitraillette. Côté le jeune mitraillette yo. Faut demander ça. Côté le jeune mitraillette qui était dans main le côté le jeune yo. Est-ce qu'un civil gen doit gagner mitraillette dans un pays arme de guerre illégal et pour ça il est en prison et il lagué sans jugement. Donc ça c'est youn. Ça c'est moun ça qui fait accusation. Et en partant tout m'a profité rappeler affiliation que Anel Belizer gagne avec oligarque Boulos. OK d'ailleurs t'as une vidéo qui t'est sorti côté le tap mandé militant travaille ensemble avec monsieur ak Boulos. Donc moi à partir de moment que moi que Anel Belizer a pour recommencer son campagne menti bluff avec fake news. OK même questionner qui monde qui d'elle et mandez-moi est-ce que c'est pas même boulot ça qui d'elle monsieur qui a voulu faire ça parce que aucun monde ça pas une position que me prend le mandat de justice pour Jovenel. Donc ça c'est du côté OK messager parce que l'on traite on voulait regarder qui est-ce qui vient à message là. Deuxièmement la parler de 200 Galil. OK 200 Galil là mais moi un document là OK c'est que moi trouvé dans archive mais parce que quand même pour qu'il y ait archive lorsque premier ministre son pays justement mon pays comme Haïti côté gagne des monde qui viennent faire de fausses accusations sous pour qu'il y ait dossier dans main. OK qui ça document nous partage avec nous document mais document c'est un certificat définitif même d'accusé de réception d'armes à feu. Mais là, m'a blil pour nous. La direction de la logistique a accusé réception de la compagnie AmeriJet le 8 août 2013 pour le compte de la police nationale d'Haïti les matériels de Israeli Weapons Industry de fabrication d'Israël et mes spécifications armes. Ça sont accusé réception de la police qui recevra les armes pour la police nationale d'Haïti qui met dans dépôt direction logistique là qui dans académie et qui te malé toujours premier commandement premier loi yo recevoir le 5 mars 2013 200 fusils Galil le 5 mars 2013 200 fusils Galil et c'est de commande ça que Anel Belizer a parlé l'heure du on ça que c'est Salim Souka avec Laurent Lamotte m'a profité rappeler Laurent Lamotte chef gouvernement chef CSPN Salim Soukaté, directeur cabinet premier ministre là pour rester selon les faits le 11 juin 2013 une quantité de 500 fusils Galil que la police là recevoir de modèle ACE-22 calibre 5.56 couleur noire Mac Galil le 8 juillet 2013 bon l'autre lot
de 300 fils de Galil qui vini, qui c'est ACE 21, Noir Mac Galil, pour un total de 1000 fils de Galil, et signé par la direction de la logistique, par le directeur de la logistique, M. Yves Stock, alias Chupa. Mais, moi, j'ai posté sur Twitter, moi, tout, une série de documents qui gagnent pour eux avec, justement, accusé de réception de ZAM, qui avait dit que 1000 ZAM s'étaient commandés pour unité spécialisée, yo, et ils étaient distribués en deux lots. T'es gon premier lot, gagnent 600 en tout, calés pour unité palais national, USGPN, 4 team, USP. Gon l'autre lot de 400 qui était distribué pour l'autre unité spécialisée, yo, la police, là, telle que UDMO, CIMO, SWAT, BRI, etc. Donc, ça c'est distribution. Nous gagnons tout, contrat qui fait entre l'État haïtien, donc la justice et la sécurité publique et Israeli Industries. Nous gagnons contrat ça qui posté sous compte Twitter Adorant la Motte avec compte Instagram, n'a pas aller pour nous. Et donc ceci, il s'agit de un commande d'armes qui fait parce que bandi ont gagné plus d'armes que la police. Bandi ont gagné plus d'armes que la police. Raison ça fait que t'es sécurité à ces commandes. Non seulement 1000 Galil, mais 15 000 pistolets Taurus avec 5 000 fusils 12 qui étaient commandés pour renforcement de la capacité de la police nationale d'Haïti. Qui recevoir en trois lots. D'accord, c'était pour la police nationale. Est-ce que l'autre est premier ministre, chef CSPN? Mais Valerio. Mm-hmm. Mais regardez, mes amis, ça dit que l'on a pour information comme ça. L'on a pris un ancien député Anel Belize à parler, il dit que Salim Souka devine chercher 200 Galil, mes amis. 200 Galil, c'est la femme qui cherche un sac de riz. C'est la femme qui cherche un sac de café. 200 Galil, pour logistique, pour déplacer 200 Galil, c'est bon, c'est bon, simple que lié. Donc, mon yon prend par la femme si 200 Galil ou quand il sortit, d'avoir mis de sac de riz dans la machine, non? Dans des machines pour marcher. Oui. Mais faut, c'est une commande officielle. Et nous gardons nos documents. C'est une commande. Tout à fait. Selon la règle de l'art. Officielle. Nous gardons nos documents. C'est ça. Nous avons signature nous-mêmes. Nous avons saut gouvernement à l'époque. Mais quand même, ou même, d'après poser une question, ça, comme premier ministre, chef CSPN à l'époque, ou t'es au courant, ou t'es même témoin que ZAM ça a été arrivé à joindre la police, parce que nous voyons que la police accusait réception ZAM. Non, c'est vrai. Son document qu'on nous, mais est-ce que vous êtes au courant que ZAM a joindre la police? ZAM ça, on nous dit. Galil ça. Ok. Galil, premièrement, comment vous faites basé sur spécification de la police? C'est pas Laurent Lamothe ou bien le gouvernement qui décide, mais ça va l'acheter. La police l'intègre des spécifications que le bail et que nous respectons au niveau CSPN. Alors, CSPN, pour m'expliquer qui s'allie, c'est que c'est le Conseil supérieur de la police nationale qui gagne en tête le premier ministre, assisté par son chef de cabinet, qui gagne chef de la police, là, qui gagne inspecteur général de la police. Donc, le haut commandement de la police qu'il a, qui gagne ministre intérieur, qui gagne ministre justice, et d'ailleurs, c'est ministère justice qui passe les commandements, parce que c'est le seul ministère habilité à faire des commandes d'équipement pour la police. C'est seul ministère qui a habilité. Et c'est eux-mêmes qui font. Ensuite, l'on a commandé des armes dans le pays. C'est pas comme si on a commandé du ou a commandé sucre. L'on a fait commandé des armes pour que le pays a lui-même, il a une licence d'exportation. Ça veut dire export permit. Pour assurer que les armes ont été commandées, qu'il n'y a pas atterri pour force sécurité pays. Ça, c'est un. Deux. Pays transit là qui c'est pays Canada parce que pas de gain vol direct entre Israël avec Haïti faut que comment yo te transité à travers Canada et li entré dans Amérique jet et c'est ça que dit dans document de réception ça OK que et date que recevoir équipement yo tout reste là c'est voué monter c'est moun qui a fait amalgame et c'est moun tout qui a cherché détruit image Laurent yo ka essayer faire mais bilan li là il est indiscutable. Nous comprenons ça, mais et nous avons un rapport quand même avec les pays États-Unis. En question, alors, informez-moi si je peut-être pas d'informations. Pourquoi ça nous commande des amis dans le pays Israël? Pourquoi ça c'est Israël nous commande des amis?
Parce que spécification gale de c'est Israël qui fait, et c'est ça la police a demandé nous, c'est lui nous faire. Ok, si nous comprenons bien, c'est ça la police m'a dit nous que, ou même comme premier ministre, ou exécuté. Donc, comme Galil, c'est Israël, ou dit c'est Israël qui fait, qui, non, qui, fait, qui manufacture, nous dit. C'est pas comme premier ministre. Oui, c'est Israël, et c'est Israël Weapons Industry, qui est même, c'est eux-mêmes qui fabriquent, et mitraillette Galil. Et, par exemple, la question que vous posez, que vous rejoignez Galil Jamaïque, que yo rejoignent Galil nan men bandi. OK. Moi al retourne à date que m'té là. M'té là de mai 2012 à décembre 2014, 12 décembre 2014. À partir de là, m'ba au courant, m'ba responsable parce que moi pas en fonction encore. Ça fait tellement de chef la police là, fait tellement de moun qui était en fonction yo de date ça yo leur reconnu. D'ailleurs, si nous la police là vient tourner pratiquement et alors pas toute police là, certains mauvaises graines dans la police là, yo vinn nou repère de bandi. Donc ou vinn gagner un paquet de policiers tout qui démissionné, mon yo révoqué, ou gagner fantôme 509. OK, et pendant dernier 8 ans ça. Donc chaque monde ça te gagner, si tu dans unité spéciale, tu gon zam nan mayo. Donc yo gen droit vendre zam yo, yo gen droit à la zam yo. Et puis une fois au final la zam yo vinn donner pour ni là, zam ça yo vinn donner des zam de bandi. Donc, si vous voulez. C'est ça. Mais c'est débat pour demander autorité qui était là, le ça a fait là. Pas autorité qui était là, 8 ans avant. Nous comprenons ça. Et on anticipe un petit peu sous côté de venir. Tout démarche, ça, c'est pour te venir joindre information qui fait qu'on est que, justement, Zam Sayo, ou tu as parlé de calibre Zam Sayo, qui c'est Marc, là, c'est Galil. Nous rejoignons au gang qui est le gang Galil, qui justement basé sur question le fait que y a été gagné, y a été possédé, y a été joint Zam Sayo dans le c'est là que nous avons venu. Encore une fois, pour nous retourner à nous, sans tes questions sur sanctions, sanctions que le pays Canada prend compte. Et trois grandes personnalités, ou c'est Younan, on a précisé ancien président Michel Martelly, ancien premier ministre Henri Séa, et vous-même comme ancien premier ministre PIA. Côté que nous influencer politique PIA, nous, à distance, de près ou de loin, nous dit, nous financer gang yo, nous bag gang yo zam, c'est ça que fait nous faire tout parler ça yo. Et je vous dis, mais ou même qui est obligé de prendre avocat pour défendre tout. On pose, alors, question ça, qui genre que, la question à poser, du moins, c'est qui genre sanction ça yo affecte à nous dit. D'abord, est-ce que yo dit que c'est des sanctions financières au niveau, nous a dit, yo bloqué compte finance nous. Est-ce que yo déjà entré en fonction? Est-ce que compte en banque doit la mode bloqué dans moment là? Bon, moi pas gain contre Canada. Donc, sanctions ça c'est des sanctions. Moi son monde moral. Ça veut dire que moi gain éthique. Moi gain famille. Moi gain honneur. Donc, sanction ça, le yal traîne non dans la boue, ça va même faire investigation, parce que ou dit que nan gang. Ok, mais qui gang? Parce que y a 200 gang dans le pays. Qui gang? Qui le? Comment? Kote kop la sorti? Comment kop la arrivé? Comment kop ki te baye? Ou pas un gros pays, une des plus grandes démocraties, et pour entrer dans voye monte, et wap baye de commentaires spectaculaires, et puis kote li, swap dim que nan gang, et mais à ce moment-ci, vous pouvez venir avec, et c'est pour ça demander. Réponse question, ça n'a pas besoin de en privé, non. Mettez en public, pas moi, ça gagne. Ou pas besoin, nous avons besoin de vous voir caché, mais mettez tout ça gagne en public. Pas dit que m'en gang, mais vous dit qui gang, qui le, qui gens, qui bo, comment rentrer, qui gang mal financé. C'est comme ça qu'on fait, lorsqu'on gros pays, t'as au Canada. Ou pas rentrer dans zin. Ou pas rentrer dans revanche politique et pour pas faire travail l'autre opposant qui a cherché détruire depuis plusieurs années et puis c'est dans couloir ça rentrer pour faire parce que là couloir ça OK couloir que yo choisi qui c'est couloir financement gang là son couloir qui pas passé il a essayé mettre dans criminalité il pas passé tout le monde connaît et tout le monde well tout le monde vive que sous l'oreille la mort gang yo mis hors d'état de nuire. Pas de gang qui t'a fonctionné à partir du moment que la police l'a joint gang ça yo, joint gang yo, yo arrêté yo, à partir du moment que yo joint moun dans la rue qui gen zam, yo mette en barcode et moi pense que ça li de notoriété publique, c'est m'pa prendre personne là. D'accord, ou répond évidemment pour vous personnellement.
Mais on a rappelé que gen trois l'autre non, gen deux l'autre non, a nous dit une nayo c'est ancien président Michel Martelly. Il y a neuf en tout. Ni tout neuf. Il y a tout neuf en tout. Oui, gen l'autre. Alors, ça cap fait actualité. On n'a pas posé question directement. Alors, question d'après sous Michel Martelly lui-même. Qui rentre en Haïti d'après information qui vient de nous dans VOA Creole qui rentre en Haïti récemment ou gain opinion sur ça et puis so, bon d'ailleurs dit on pas parler avec depuis quelques temps depuis la mort de Jovenel Moïse depuis 18 mois mais réaction sur ça et qui j'en pensais qu'il a réagi d'après Michel Martelly après d'après Jean Rissien quand même c'est un ancien premier ministre et bon écoute Michel Martelly son ancien président son haïtien qui doit rentrer dans pays. Quelqu'un doit avoir une sécurité là dedans. Bah rien de mal à ça, son président qui va entrer dans un pays, qui va tourner dans un pays, ok, qui pas gagner aucun de charge qui est tenu contre lui, qui gagne un pays étranger, qui va mettre des sanctions, mais monsieur qui doit rentrer. Et puis c'est monsieur qui décide ça l'a fait. Moi-même, pas gagner pour moi. Non. C'est juste ma permettre mon opinion, mais pour moi, bah ouais, qui ça coule non. J'ai envie de rentrer. Moi-même, moi, t'es rentré tout. Donc c'est juste ça. En fait, ça dépend de choix mon. D'accord, pour nous finir en conclusion, pour réagir ou ba nos opinions ou dit nous qui sont pensés de sanctions yo et n'a pas retenu que ou même Laurent Lamothe ancien premier ministre haïtien qui sanctionné par pays Canada ou décidé pas décidé seulement ou prend déjà aux mêmes dispositions pour répondre à sanctions ça yo avec certaines de façon légale. C'est ça, nous qui a conclu sur ça, n'a plutôt peut-être précisé pour nous dernier point ça. Bon, dernier point que moi-même, pour moi-même, yo servi avec des sources de détracteurs, non, ok, qui ont même des besoins pour une réponse politique et puis qui jouent un couloir favorable pour rentrer sous premier ministre Justin Trudeau et puis yo servi à couloir et puis après ça pour mettre non, on va que tout le monde connaît, c'est pas vrai, yo pas rien preuve. Yo pa fè investigation, yo pa gen motif. Parce que fòm dan motif m'a financé gang à quel but m'a financé gang nan la. Alors que moi-même moi c'est mon k'a mandé trouver étranger pour venir pou mwen kont gang et puis c'est mwen k'a nan financé gang, et mais on moun fou mien. Donc c'est ça m'a répondre dans ça. Merci monsieur Laurent Lamothe, je merci en pile et puis certainement fè VOA Creole la voix de l'Amérique intéressé qu'on ait des marches ou du moins suivi qu'on a fait au niveau légal pour capable poursuivre le gouvernement canadien et sous sanctions ça que on prend compte ou même personnellement. Merci encore une fois. Tout à fait. Merci en ville Valérie. Merci. D'abord, nous parler avec Pi Gros Point qui dominait actualité à nan et programme ça et ben c'est premier ministre à Laurent Lamothe qui réagit après sanction que Canada prend contre lui-même à ancien président Michel Martelly et un autre premier ministre Jean-Henri Séan. Pays Canada reproché yo pour participer soi-disant participation yo dans financement gang armé. C'est premier ministre canadien Lucien Trudeau qui lui-même et fait annonce là pendant qu'il a participé dans Tunisie dans sommet francophonie. Monsieur Lamothe dans micro journaliste VOA Creole Valérie Saint-Louis et mais lui-même il rejeté accusation ça yo parce que il dit yo pas gain preuve entendez Valérie Saint-Louis. Pays Canada prend sanction contre ancien président haïtien Michel Martelly avec deux anciens premiers ministres qui accusés d'être qu'ils ont participé dans financer gang yo. Autorité canadienne a annoncé nouvelle là dimanche dernier parmi une série mesures qui visait monde qui s'y tirait gang criminel dans pays a. Bureau premier ministre canadien Justin Trudeau publié une déclaration qui pas cité aucun nom mais qui dit dernière série sanctions ça yo visait un ancien président haïtien et deux anciens premiers ministres que nous suspect à protéger et puis s'y tirer activité illégale gang criminel. Journaliste Radio-Canada Louis Blouin dit sous Twitter sanctions ça yo visait ancien président Michel Martelly avec ancien premier ministre Laurent Lamothe et puis Jean-Henri Séan. Ancien premier ministre Laurent Lamothe t'a réagi dans micro VOA Creole. Ou tout ouais son lynchage politique, une forme de revanche politique à fait là. Parce que je connais que continuons. Monsieur Lamothe, permettez-moi simplement rappeler que il s'agit de un pays. Il s'agit de Canada. Il n'y a pas fait des accusations. Il n'y a pas pris sanction comme ça. Pour avoir pris sanction, sûrement il faut qu'il y ait des évidences, des preuves. Moi-même, ça me t'a pensé. Tel bagay, en droit international, avant que vous accusez un monde, il faut que vous fassiez une enquête, il faut que vous fassiez une investigation.
Or là, il y a zéro preuve, zéro enquête. Il y a pas gagné non mais yo. Donc c'est pour ça que me dit que son revanche politique par un petit noyau qui Canada et il commence à mettre tête yo dehors. D'ailleurs nous constituons batterie d'avocats tout pour que qui pral prendre ça en main, qui pral clarifier question ça parce que tout le monde connaît Laurent Lamotte pas dans gang. Laurent Lamotte maté gang, mais Laurent Lamotte pas dans danser collé avec gang. Ni l'aime de là, ni jodia. On met en question tout ça que le pays Canada fait, parce que pas oublier, nous jouons le premier ministre Justin Trudeau qui était chita ensemble avec le ministre des Affaires étrangères là, et Mme Joly, qui a même tout annoncé ouvertement qu'il prend sanction contre nous trois, on nous dit. Mais comme c'est avant, on a parlé avec l'ancien premier ministre Laurent Lamotte, ou même, et est-ce que ça veut dire que le Canada, il semble, le pays Canada, il y a des blagues des deux fois, politiquement, ils sont en sérieux. C'est qu'on comprend? Non. Non, je ne prends pas mon blague, au contraire, c'est pour ça que je dis blague de mauvais goût. Je prends très au sérieux. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse, je prends une position publique. Et position, ça a dérangé plus d'un de gouvernement actuel là. Parce que le mandat de justice pour Jovenel Moïse, je demande un tribunal international qui pour identifier avec juger monde qui derrière assassinat président, les déranger. Une série de monde dans opposition tant coup dans gouvernement. N'a pas chance suivre interview ça dans toute intégralité que ancien premier ministre Laurent Lamotte et bay VOA Creole côté que t'a réagi sous sanction ça que pays Canada prend pour VOA Creole dans New York Valerio Saint-Louis. Merci Valerio Saint-Louis, docteur Kou Valerio Saint-Louis dit il était abordé plusieurs autres questions avec ancien premier ministre Laurent Lamotte qui lui-même rejetait toute accusation que Canada est fait contre lui, notamment nous t'ai gagné Justin Trudeau et premier ministre canadien qui lui-même était officialiser décision ça que on prend non seulement contre ancien premier ministre Laurent Lamotte mais contre tout ancien président Joseph Michel Martelly et contre l'autre ancien et premier ministre Jean Rissien et puis gon paquet l'autre nom qui n'a aucun subi tout sanction dans mes pays Canada yon dossier que n'a suivi pour d'ailleurs n'a gain pour nous suivre intégralité interview ça que ancien premier ministre Laurent Lamotte bay et collègue nous Valerio Saint-Louis.